Allez, salut, salut les gars, c'est toujours moi, le Samos Pita, et vous êtes sur la chaîne 2, Monsieur le Russe 225. Et vraiment, un grand merci à ceux qui suivent mes vidéos, et puis essayez aussi de donner une pouce bleu, c'est-à-dire essayez d'abord de liker la vidéo avant de pouvoir la suivre. Voilà, et c'est vraiment un grand plaisir de vous faire cette vidéo-là, parce que c'est une vidéo qui, c'est une bourse, par exemple, comme ça, qui donne accès à plus d'étudiants étrangers. Donc ces étudiants là qui veulent vraiment postuler à cette bourse là, je vous la recommande vraiment, cette bourse là. Donc si vous voulez postuler, c'est aussi une grande opportunité, parce que cette bourse là c'est comme une bourse, c'est comme la bourse de la Russie. Voilà, vous voyez un peu, c'est les mêmes critères, il y a plus que presque à 90% les mêmes critères, les mêmes sélections et tout ça, comment ça se passe. Voilà, donc pour pouvoir postuler, c'est très simple. Ce que vous devez avoir sur vous actuellement, vous avez le passeport, votre diplôme, et aussi en ce qui concerne les relevés de notes, n'oubliez pas, c'est très important aussi pour la sélection. Et en même temps, je voulais rappeler que cette bourse là, ça concerne la licence, le master et le doctorat. Voilà, et il n'y a pas d'exigence de langue et tout ça, seulement pour ceux par exemple qui veulent faire le master. Ceux qui veulent faire le master par exemple, s'il veut faire par exemple une faculté en anglais ou bien en allemand et tout ça, c'est en ce moment là que vous devez présenter des certificats en anglais ou bien en allemand et tout ça. Mais pour ceux qui veulent faire la licence, ne vous inquiétez pas pour ça. Si vous avez vos documents qui sont en français ou bien en anglais ou bien en allemand ou bien en russe, ce n'est pas un problème, vous pouvez télécharger sur le site. Voilà, et ceux qui font par exemple comme ça, qui font le master ou bien le doctorat, et par exemple comme ça qui veulent postuler, si les lettres de recommandation, ok, je vais d'abord essayer d'abord de vous donner les documents dont vous avez besoin pour pouvoir postuler à cette bourse là. Donc pour pouvoir postuler à cette bourse là, quels sont les documents dont vous avez besoin? Pour, je prends la licence, le master et le doctorat, vous avez besoin d'abord du diplôme de baccalauréat, du passeport, le diplôme plus les relevés de notes plutôt. Donc après ça, il y a une lettre de référence. Une lettre de référence, c'est-à-dire une lettre de recommandation. Voilà, et vous devez aussi écrire une lettre de motivation. Tout ça, je vais vous montrer sur le site. Une lettre de motivation. Et en ce qui concerne la langue, si par exemple comme ça, vous venez pour faire la licence, là ce n'est pas un souci. Maintenant, s'il savait que vous devez faire par exemple comme ça le master ou le doctorat, alors vous êtes obligé, ou bien cela dépendra par exemple comme ça de la faculté que vous allez choisir. Voilà, si vous voulez faire des cours en anglais, vous allez faire ces cours là en anglais, mais vous devez présenter un certificat en anglais, ou bien ceux qui étudient déjà dans un pays qui enseigne en anglais, alors eux, c'est pas un souci. Maintenant ça concerne aussi, c'est identique par rapport au doctorat. Donc ce que j'ai dit pour le master, c'est identique au doctorat, donc c'est la même chose, seulement que la licence c'est un peu différent. Voilà, de toute façon vous allez voir ici comment ça se passe, et vous allez chercher à trouver ces documents là et pouvoir les mettre en ligne. Donc pour pouvoir postuler, c'est très simple pour cette bourse là, c'est hyper simple. Voilà, dans les normes, je dois m'enregistrer pour un personnel à compte, mais je ne vais pas le faire, je vais aller directement vous montrer un peu comment ça se passe, ainsi vous allez pouvoir la postuler un peu plus rapidement pour ne pas perdre le temps. Donc si vous voyez ici, ils ont mis scholarship, n'oubliez pas, je vous rappelle encore, la date limite c'est le 30 juin, c'est-à-dire que vous avez actuellement un mois pour pouvoir postuler à cette bourse là. Voilà, et si vous n'avez pas ces documents là, vous devez au moins les chercher un peu plus rapidement. Je répète encore, il n'y a pas de traduction du document tant que vous ne voulez pas faire une faculté qui est en anglais. Donc vous cliquez sur procède ici, voilà, pour pour la bourse. Donc ici il y aura plusieurs pays, comme je l'ai dit, c'est identique à la bourse de la Russie, c'est à 90% identique. Donc je rappelle encore, la bourse prend en charge par exemple comme ça la scolarité, et il y aura aussi des allocations chaque fin du mois pour ces étudiants là qui vont avoir la bourse. Mais en ce qui concerne par exemple comme ça le voyage ou bien le service médical ou bien le visa que vous allez prendre dans votre pays, vous savez déjà que pour la bourse de Russie, c'est l'étudiant même qui s'occupe de ça, c'est-à-dire le visa et tout. Et ici aussi c'est identique, ici le visa, le voyage, c'est-à-dire le billet d'avion, et puis l'assurance maladie, c'est l'étudiant qui s'en occupe. Et à part cela, tout le reste dépendra du gouvernement du Kazakhstan. Donc vous devez comprendre cela. Donc pour pouvoir postuler cette bourse là, comme je l'ai dit, c'est hyper simple,
vous allez juste cliquer sur Submission Document. Vous allez voir qu'il y aura tous les éléments qui sont là et c'est tout. Vous voyez, donc ici le nom, prénom, la date de naissance. Ici, si vous êtes par exemple, si vous êtes ivoirien ou bien camerounais ou bien béninois, vous mettez là le numéro du passeport, la date d'expiration du passeport, le pays de résidence, le mail. Peut-être que je vais remplir après pour ceux qui veulent, par exemple, comme ça, vraiment, parce que c'est hyper simple. Vous n'êtes pas, juste pas obligé de remplir tout ça. C'est hyper, hyper simple. Donc, je crois que ça, vous-même, vous pouvez le remplir. Donc, arrivé là, vous choisissez votre faculté, le degré que vous voulez postuler. Si c'est le master, vous choisissez rapidement. Donc, si choisissez bachelor, c'est pour la licence. Vous allez voir les universités qui enseignent le bachelor. Vous voyez là, vous allez sélectionner une université et vous allez mettre par exemple comme ça. Ici, quel est le programme que vous voulez faire? Si vous voulez faire mathématiques ou bien physique, vous mettez là, physique. Voilà, maintenant arrivé là, en ce qui concerne le comment on appelle ça, en ce qui concerne la langue, voilà, donc kazakh. Si vous voyez, vous pensez que vous êtes minimum ou bien A2 ou bien B2, vous choisissez rapidement. Voilà, le russe, si vous n'avez pas de niveau en russe, c'est pas la peine, vous choisissez ce qu'il y a là, ou bien vous choisissez pas si vous voulez vous laisser. Et l'anglais, si vous avez un niveau en anglais, vous pouvez choisir ça. Voilà, et vous pouvez ajouter aussi ici français. Vous mettez français et vous choisissez maximum. Vous comprenez? Ici, vous pouvez écrire français et vous choisissez maximum. Si vous pensez que ces trois langues là, vous ne maîtrisez pas, vous les laissez. Je vous répète encore, vous laissez ici, vous ne choisissez, vous ne cochez rien. Et ici, français, vous mettez français. Si vous êtes bon en allemand aussi, vous cliquez sur allemand, vous écrivez ici allemand. Et vous notez ici que vous êtes bon en allemand maximum. Regardez bien, C2 c'est maximum, C1, B1, B2. Ici, pour ceux qui sont qui ont un niveau, qui ont fait par exemple un certificat, ils peuvent cocher ici, c'est pas un problème. Maintenant, si vous n'avez rien, vous pouvez cocher là. Mais pour le kazan, pour kazakh, je vous recommande de laisser. Et anglais, vous pouvez cocher là. Voilà, et français aussi, vous pouvez cocher là. Écrivez ici français, vous écrivez ici français, ou bien ici allemand. Maintenant, si vous avez d'autres facultés que vous maîtrisez, d'autres langues que vous maîtrisez, vous pouvez cliquer sur ajouter pour ajouter aussi italien. Vous comprenez? Donc, et en un coup, ils vous font comme ça, ils vous donnent un peu les documents dont vous avez besoin. Donc, directement ici, vous pouvez voir les documents dont vous avez besoin. Vous comprenez? Donc, il y aura quoi? Il y aura le passeport ici, et puis il y aura aussi. Ici le diplôme plus le relevé, voilà. Ici la lettre de référence, c'est à dire la lettre de recommandation, ici doit être en kazakh, en russe ou bien en anglais. Voilà, donc ici le certificat médical contre le VIH, voilà. Et puis photographie, c'est un peu le certificat, les examens des poumons et tout ça pour voir si vous fumez, si vous fumez pas. En tout cas, tout ce qui est dans votre système immunitaire, ils vont savoir. Donc ça, vous allez à l'hôpital ou bien dans une clinique, vous allez voir qu'ils vont vous faire tout ça. Quand vous arrivez là-bas, vous dites que vous voulez faire photographie, ils savent déjà comment ça se passe. Le test de VIH, ça vous savez déjà. Ok, après ça, il y a l'application form. Voilà, donc si vous cliquez sur l'application form, ceux par exemple comme ça qui ont vraiment besoin de l'application form, vous pouvez m'écrire inbox, voilà. Et mais je répète encore et je le redis encore, ici ceux qui ont besoin de l'application form, ici si vous m'écrivez inbox, la condition, ma condition serait que vous soyez dans le groupe, parce que c'est dans le groupe que je vais placer cette application form. Donc si vous n'êtes pas dans le groupe, alors c'est pas la peine, vous allez vous-même trouver cette application form. Voilà, parce que je fais assez de vidéos et j'ai demandé à ce que mes abonnés, ceux qui veulent me soutenir, me soutiennent. Mais quand ils m'écrivent comme ça en inbox, c'est juste me raconter autre chose. Et c'est ceux-là même qui me réveillent chaque soir, qui m'appellent chaque soir, qui me réveillent. Parce que si vous avez bien remarqué, nous avons au moins 4-6 heures de différence entre nous. Alors comment ils se couchent, vous peut-être il fait jour chez vous. Et il m'appelle à chaque fois pour des informations. Mais lorsque je leur demande d'adhérer au groupe pour que je puisse mettre toutes les informations là-bas, parce que là-bas il a toutes les informations pour qu'il puisse les télécharger un peu plus facilement pour ne pas être dérangé lorsque moi je dors et que vous êtes réveillé,
personne ne veut, ou bien ces étudiants-là ne veulent adhérer au groupe. Et continuent toujours de m'écrire et de m'appeler pour un simple dérangement, pour une simple application form. Alors, je répète encore, ceux qui ne veulent pas intégrer le groupe, c'est pas la peine d'écrire pour l'application form. Ou bien, c'est pas la peine de postuler à cette bourse-là. Voilà, donc je vous répète encore, si vous voulez adhérer au groupe, vous adhérez. Si vous n'êtes pas, vous ne voulez pas adhérer, alors arrêtez de des appels aussi tardifs que ça. Ok, après ça, International Certificate Confirming Knowledge of the Foreign Language for Masters and PhD Required. Donc, comme je vous l'avais dit auparavant, les étudiants en Masters ou bien en PhD, j'ai déjà dit, les étudiants en Masters ou bien en PhD, c'est-à-dire pour le doctorat, qui veulent vraiment postuler dans une université comme ça, qui enseigne en anglais ou bien dans une autre langue, doit forcément présenter un diplôme ou bien un certificat de langue, soit en master ou bien en allemand ou bien et tout ça. Mais cela dépendra de vous. Voilà, je répète encore, cela dépendra de vous. Si vous pensez que vous allez faire par exemple comme ça une année encore de langue là-bas pour pouvoir avant d'étudier, alors ça va dépendre de vous. Voilà, je répète cela encore, ça va dépendre de vous. Ici, la lettre de motivation doit être en kazakh, en russe ou bien en anglais. Donc, après cela, ici, substantiation of the topic of the dissertation research, the language instruction for PhD in kazakh. Donc ici, pour ceux qui vont faire par exemple comme ça, le PhD, ça c'est pour ceux qui veulent faire seulement le doctorat. Donc vous pouvez ici télécharger le résumé de votre requête, le résumé de votre thèse que vous avez déjà entrepris ici. Comprenez un peu, vous pouvez mettre le résumé ici, c'est pas un problème. Donc ici, invitation letter from Kazan University if available. Ici, c'est pas la peine parce que vous postulez pour une bourse, donc vous allez postuler et en même temps à la bourse, vous allez postuler et en même temps à la bourse et en même temps à une lettre ou bien à une admission. Maintenant, ceux par exemple comme ça, ici, c'est vraiment dédié à ceux par exemple comme ça qui sont déjà sur le territoire kazakh. Voilà, eux, ils ont comme ça une lettre d'invitation. Ils ont déjà eu une lettre d'invitation dans l'université. Maintenant, ceux qui ont déjà postulé, qui sont déjà dans leur université et qui ont postulé à l'université kazakh, à l'université de Kazakhstan, pour avoir une invitation, mais qui sont tombés sur cette vidéo-là pour la bourse, vous pouvez aussi insérer ici votre invitation. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Ceux qui sont déjà à l'université de Kazan, du Kazakhstan, dans une université du Kazakhstan, peuvent ici insérer leur lettre d'invitation. Maintenant, si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo, ici c'est pas la peine. Si c'est la première fois que vous entendez parler du pays du Kazakhstan, alors vous, c'est pas la peine, vous remplissez les autres parties que vous avez et lorsque vous finissez, vous envoyez ici, vous cliquez sur Send, vous allez envoyer votre admission. Voilà, je répète encore, pour l'application form, je vais introduire ça dans mes groupes WhatsApp, et ceux qui sont pas inscrits dans les groupes WhatsApp, c'est pas la peine de m'écrire pour l'application form. Merci à vous. Donc c'est un peu ça, et c'est la bourse du gouvernement de Kazakhstan. Donc pour ceux aussi qui ne maîtrisent pas, vous pouvez toujours nous contacter, on va essayer de vous aider, on va essayer de faire une suivi de vos dossiers que vous puissiez mieux postuler. Voilà, donc les gars, c'était moi Sam Hospital, et je remercie vraiment ceux qui me soutiennent. Et c'est un grand plaisir parce que vous reconnaissez le travail que je fais pour vous. Vous reconnaissez l'endurance et puis le temps que je mets dans ce que je suis en train de faire pour vous aider. Alors, les gars, c'était moi, Sam Hospital. Et puis, prenez soin de vous aussi. Et à plus, les gars.